Le doute amoureux. Thomas doute d'une bonne nouvelle. C'est ce que nous faisons habituellement. Mais il y a une interpellation de taille pour nous. Quand est-ce que nous allons commencer à douter des fake news, des mauvaises nouvelles qui sont racontées sur nos prétendus amis et sur nos ennemis? Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous et que nous n'avons pas l'amour en nous, il suffit qu'on raconte un petit rien sur quelqu'un. Et nous croyons. C'est ici que le doute de Thomas peut nous inspirer. Nous pouvons imiter Thomas dans son doute. Le sien était ce qu'il était. Mais le nôtre peut devenir un doute d'amour. Parce que quand vous aimez quelqu'un et qu'on vous raconte des bobards sur lui, la première réaction, la première attitude que vous avez, c'est de douter. C'est de douter. C'est de rechercher. C'est de demander qu'on vous donne des preuves. C'est lui poser la question pour qu'il se défende. C'est chercher un deuxième, un troisième témoin. Et non se contenter de la parole du premier venu. L'amour, c'est ça qui doit nous habiter. Si nous avons l'amour en nous, nous aurons ces doutes-là amoureux. Sur chaque affirmation, chaque propos tenu contre tel et tel. Parce que c'est ce que nous faisons avec les gens que nous aimons. Si tu aimes ta maman et qu'un prophète vient te raconter que ta maman est sorcière, l'amour que tu as pour ta mère sera d'abord, de prime abord, fort contre cette affirmation-là. L'amour va lutter contre cette affirmation. Non, c'est pas vrai. Ma maman ne peut pas être sorcière. Mais si tu ne portes pas ta maman dans ton cœur, il suffit qu'on te dise, même si on ne parle pas, qu'on fasse seulement allusion. Qu'on parle d'une sorcière et toi tu conclus c'est ma mère. Si tu n'aimes plus ta femme, dès qu'on commence à te parler, il y a une sorcière dans ta vie et tu conclus c'est ma femme. Que cela nous interpelle. Thomas, nous le prenons comme quelqu'un qui a douté. Mais, puisque notre objectif ici sur ce point, c'est de vivre Jérémie 15, 19. Tirer le noble du vil. Tirer le positif du négatif. Le négatif, c'est quoi? Le doute de Thomas. Son incrédulité. Qui est un péché? Mais en tirer quelque chose de positif. Et pourquoi ne dirions-nous pas que le doute de Thomas, c'est comme une recherche personnelle de Jésus-Christ? Comment ne pourrions-nous pas comprendre son doute comme cela? Et prendre Thomas comme modèle. Quelqu'un qui nous dit, oui, c'est vrai, on vous raconte des choses sur Jésus-Christ. On vous parle de Jésus-Christ. Mais faites de lui une expérience personnelle. Rencontrez-le personnellement parce qu'il est vivant. Et puisqu'il est vivant, il est rencontrable. Chacun peut le rencontrer dans le quotidien de sa vie. C'est ça, Thomas. Ne crois pas par procuration. Oh, je crois parce que ma mère m'avait dit, parce que mon père m'avait dit. Mais moi-même, je l'ai rencontré. Et je puis témoigner que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est vivant. Que tu fasses l'expérience de la vie, de l'existence, de la puissance de Jésus. Une expérience personnelle. Comme les Samaritains qui ont dit à la Samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jean 4, 42. Thomas a refusé de se contenter de ceux qui l'ont vu ressusciter. Marc 16, 14. Mais il a voulu faire l'expérience de Job. Job 42, 5. Je te connaissais par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il faut faire l'expérience de Jésus-Christ. Et les catholiques qui demeurent dans leur foi sont généralement des catholiques qui ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Un catholique qui a fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, une expérience personnelle avec la Vierge Marie. Ces catholiques-là ne quitteront jamais l'Église. Les catholiques qui quittent sont des catholiques qui croient par procuration. Il n'a aucune expérience, aucun témoignage sur la force, la puissance de la dévotion mariale, mais il est là à réciter le chapelet sans comprendre et sans chercher à comprendre. Ce catholique-là, il suffira d'un petit rien, et il va quitter l'Église. Mais un catholique qui a des témoignages, qui a vu Marie intercédant pour lui et qui a vu son eau s'échanger en vin le jour de ses noces, ce catholique-là ne peut pas changer. Il dira, Jésus est mon thaumaturge, le faiseur de mes miracles, mais Marie en est la provocatrice. Un tel catholique, vous n'allez pas le déraciner de sa foi. Il reste parce qu'il a une expérience.
Vous pouvez même venir avec les meilleurs arguments du monde. Il vous dira, bon, vous avez bien parlé, mais moi, j'ai un témoignage. J'ai déjà vu Jésus-Christ agir dans ma vie par l'intercession de sa bienheureuse mère. Rencontrez personnellement, vivez, ayez l'expérience de ce que vous dites, de ce que vous croyez, de ce que vous racontez.